consultant at the Yahoo Software Lab, and he loves finding security flaws in the Microsoft Edge browser. And incidentally, this is the topic for this next talk, so please give a big round of applause to Nikhil Mittal. Alors, bienvenue à la présentation Casser les politiques de sécurité de Microsoft Edge. Alors, moi, c'est Nikhil et je vais vous guider dans cette recherche. Alors, avant de commencer cette présentation, je voudrais vous demander combien d'entre vous utilisent le navigateur, les extensions de navigateur dans cette salle. Alors, une extension de navigateur, c'est quelque chose qui étend les fonctionnalités des navigateurs. Alors, on a des exemples typiques comme les bloqueurs de publicité, donc voilà, qui bloquent les publicités sur certains sites comme YouTube, et aussi des gestionnaires de mots de passe, par exemple. Donc, ces extensions peuvent gérer pas mal de vos données, parce qu'ils peuvent gérer les cookies, les mots de passe. Et donc, ça veut dire qu'on doit juste mettre d'accord que ces extensions sont dangereuses, puisque pouvoir gérer les cookies, les marque-pages, etc. Alors, par exemple, une extension assez simple comme AdBlock Plus sur Microsoft Edge, bon, bah, voilà, ça fait son jeu. Alors, comment je fais pour savoir ce que cette extension est capable de faire dans mon navigateur? Ah, par exemple, je regarde cette liste-là. Alors, elle a pas mal de permissions. Alors, cette extension très simple peut lire, modifier le contenu, lire, modifier vos favoris, lire les sites que vous visitez, modifier tout ce que vous envoyez recevez, et lire toutes vos données de navigation personnelle et envoyer des notifications. Donc, cette simple extension AdBlock peut faire tout ça. Alors, vous pourriez vous demander comment ces permissions sont reconnues. Donc, comment les navigateurs peuvent reconnaître d'où viennent ces permissions. Alors, il y a un modèle de permission dans les extensions, et donc on a ce fichier manifest.json, et dans ce fichier il y a les permissions. Et donc dans ce tableau de permissions, un petit exemple. Donc vous voyez une URL https://www.google.com. Ensuite, la permission bookmarks, cookies, history, storage, tabs. Et donc cette extension assez simple a les permissions de lire les marque-pages du cookie. Elle peut les manipuler, elle peut en ajouter, les enlever, et d'autres permissions importantes de même. Alors, à part ça, la permission la plus intéressante qu'il y a et que je cherchais, c'est la permission d'accès à un hôte. Donc, c'est quelque chose qui définit sur quel domaine l'extension peut se lancer. Alors, par exemple, supposons qu'on ait affecté la permission à www.google.com, alors cette extension peut se lancer uniquement sur google.com et pas sur les sous-domaines, par exemple mail.google.com. Donc, c'est ce qu'on définit dans cette petite boîte, que cette extension peut lire ou modifier du contenu sur certains sites comme www.google.com. Donc, ce qu'on peut aussi mettre comme type de permission, c'est
étoile.google.com. Dans ce cas-là, on couvre aussi les sous-domaines. Et le troisième type de permission qu'on peut avoir, et donc on peut mettre /étoile.google.com, et donc dans ce cas-là ça marche sur tous les protocoles, par exemple FTP. À part ces trois permissions, il y a une autre permission qui existe, qui est all URLs. Donc cette permission est spéciale parce que ça veut dire que l'extension est affectée à toutes les URL. Elle donne le droit d'exécuter du code JavaScript sur tous les domaines, donc google.com ou n'importe quoi d'autre, donc tous les domaines. Mais il y a quelques restrictions sur la permission all URLs. Elle ne peut pas se lancer sur les pages privilégiées. Alors, une page privilégiée, c'est une page dans le navigateur qui contient des données sensibles ou du navigateur. Donc, par exemple, les pages de paramètres qui contiennent les. Donc, ça, c'est sur Chrome. On peut modifier les paramètres de carte de crédit, etc. Dans ce cas-là, on peut imaginer une situation où voilà, l'extension est capable d'écrire du JavaScript sur un chat, et puis en fait, elle peut modifier tous les mots de passe et les informations de carte de crédit. Alors sur Edge, on a une page similaire, About Flags. Alors ici, on peut voir une extension qui a cette permission URLs, elle peut essentiellement tout modifier. Alors sur cette page About Flags, donc sur la première page, vous voyez qu'il y a un certain nombre de permissions importantes, par exemple activer Adobe Flash Player ou d'autres fonctionnalités, et puis on peut avoir la consommation de mémoire restreinte pour les développeurs. On peut activer, désactiver des fonctionnalités expérimentales, JavaScript, etc. Donc vous voyez à quel point cette page contient des paramètres sensibles. Donc, comme je l'ai dit, une extension à un fichier manifest.json qui liste notamment toutes les permissions et d'autres permissions. Donc, un autre fichier dont on a besoin, c'est popup.html. Et dès qu'on clique sur une extension de navigateur, et ensuite, on a popup.js qui contient seulement du JavaScript. Qui va effectuer des actions liées à ce qu'il y avait dans popup.html. Donc ça, c'est comment notre extension, c'est ce à quoi elle ressemblerait dans Edge. Donc dès qu'on clique sur le logo de l'extension, la popup va apparaître et afficher ce message avec deux options, donc open ou execute. Donc si on clique sur open, ça va charger google.com dans le navigateur, alors que si on clique sur execute, ça va effectuer un alert de 1. Et du coup, tout le travail est fait par popup.js. Donc si on regarde la source du fichier manifest.json, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on va pouvoir regarder les permissions à la ligne 10. Qui sont, ce qu'on voit ici, c'est une entrée https://www.google.com/étoile. Ça veut dire que l'extension devrait tourner seulement pour google.com et pas sur les sous-domaines. Donc voilà le code de popup.html, donc c'est un fichier HTML simple. On a deux boutons, un qui est open, l'autre qui est execute. On charge js/popup.js et c'est tout. Et pour popup.js, donc c'est très court aussi. Ce qu'il fait, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton Open, ça charge google.com. Si on clique sur le bouton Execute, ça
ça effectue un alert sur le domaine du document courant. Donc il y a beaucoup d'API qu'on peut utiliser pour les extensions de navigateur. Donc par exemple l'API Tabs, l'API Proxy. Donc moi l'API Tabs pour moi elle est d'un intérêt particulier. Donc elle fournit quelques fonctionnalités, par exemple tabs.create, qui permet de créer un nouvel onglet. Et il y a également la fonctionnalité, la fonction update. Et la méthode duplicate est aussi importante parce qu'elle va permettre de dupliquer un onglet déjà ouvert. Donc, execute script, comme on pourrait s'y attendre, elle permet d'exécuter du JavaScript. Donc hide et reload qu'on comprend aussi la signification, et il y en a plein d'autres. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est create, duplicate et update. Donc voyons ce qui se passe si on veut charger bing.com. Donc on va pouvoir faire ça en utilisant ce qui est affiché sur la slide. Donc ça c'est dans la documentation, et cette façon de faire, elle est destinée aux gens bien intentionnés, et c'est pas exactement ce qu'on est. Donc qu'est-ce qui se passe si on utilise ça pour lire des fichiers locaux? Donc si on donne l'URL d'un fichier local pour voir comment le navigateur va essayer de l'ouvrir. Donc juste après, on a une erreur dans Edge qui dit je peux pas ouvrir cette page, vérifier que vous avez la bonne adresse, etc. Donc and I'm going to add it with the extension path, and I'm going to try and I'm going to open it. Donc globalement, ça essaie d'ouvrir, enfin ça se fait des opérations sur l'extension et ça essaie de l'ouvrir, et le fichier il a pas l'air d'exister, donc ça résulte en une erreur. Donc c'est assez général. Ça va aussi fonctionner pour d'autres navigateurs qui vont pas vous permettre d'ouvrir de cette manière des fichiers locaux. Donc par exemple des erreurs qu'on va obtenir dans Edge ou dans Chrome. Donc dans les deux cas, ça va pas être possible. Enfin, on va avoir un message d'erreur qui dit que ça va pas être possible parce que on veut protéger l'utilisateur. Donc, vu que la méthode create n'a pas fonctionné, on va essayer un peu quelque chose de similaire avec la méthode update. Donc, on va réessayer de fournir une URL qui correspond à un fichier local et voir si ça fonctionne. Donc, en fait, ça fonctionne. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose pour une page privilégiée. Et en fait, ça fonctionne également. Donc, comme on peut le voir, lorsqu'on clique sur le bouton Open, ça fonctionne. Et dans Edge, on a bien la page About Flags qui s'ouvre. Donc, quand j'ai signalé ça à Microsoft, ce qu'ils ont dit, c'est que on n'a pas le support pour l'API de download, et du coup, on va pas spécialement s'intéresser à fixer ça. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'ensuite, j'allais passer par du JavaScript. Donc, ça a une syntaxe assez pratique. On peut utiliser cette syntaxe assez pratique. Donc ici, dès qu'on trigger le href, on va avoir un alert. Et on va effectivement avoir une pop-up qui correspondra à ce alert qui apparaît.
Donc, ça s'exécute en référence au domaine principal, pas comme pour les URI tout à l'heure. JavaScript URI says I'm on html.squarefree.com while the data URI said donc null domain. On peut voir ici que le domaine affiché ce n'est pas le même à gauche et à droite. But then it creates a lot of mess with the browser, so browser vendors they decided to execute the null domain preference to just to make it to safe. Les vendeurs de navigateurs ont décidé de rendre ça safe. Donc, du coup, on va poursuivre un petit peu sur JavaScript et sur les en essayant de bypasser les permissions. Donc, si on essaie d'ouvrir un tab avec create ou open et en utilisant une URL en JavaScript, ça ne va pas fonctionner. Mais si on essaie avec la méthode update et qu'à nouveau on fournit une URL sous la forme d'une URI JavaScript avec un alert de document.domain, alors cette fois ça fonctionne. Donc on peut voir à l'écran que l'URL devrait afficher, enfin permet de charger le, enfin de lire le contenu de google.com alors que le site affiche plutôt le domaine bing.com. Donc, l'utilisateur va croire que ça devrait pas fonctionner sur d'autres domaines que google.com. Donc à nouveau ça a été Microsoft a été informé, mais ils ont dit on va pas corriger ça. Même si maintenant on a les exécutions de code de JavaScript également. Ils ont dit, on comprend ce que vous essayez de dire, mais par exemple, est-ce que ça fonctionnerait également en essayant de faire des alertes sur les cookies, de voler les cookies d'un utilisateur? Donc, vu que on a un bypass des host permissions sur Edge, on va pouvoir voler des mails Google ou de la donnée qui vient de Facebook ou n'importe quoi d'autre. Donc par exemple, supposons qu'on a un mail sur Gmail qui dit qu'on a un coupon de réduction pour du cashback sur PayPal avec le code qui correspond au coupon. Donc ici on utilise la méthode update de l'API tabs. Donc on va récupérer un email avec un ID particulier. Et ouvrir leak.html donc et appeler leak.html. Donc quand on clique sur le bouton open, ça va récupérer le mail que l'on ciblait, avec celui avec l'ID qu'on a fourni. Donc ce POC a été envoyé à Microsoft. Et la même chose pour les fichiers locaux aussi. Et donc dans ce cas, donc ça a fonctionné aussi. Donc si vous vous rappelez, avant, quand on a travaillé sur les fichiers locaux, Microsoft a dit on va pas fixer ça parce qu'on supporte pas l'API de download. Et maintenant, on a aussi la code d'exécution sur JavaScript sur les fichiers locaux. Donc on peut combiner tout ça pour voler des fichiers locaux. Donc ici on va avoir d'une part un update sur un fichier local et un update sur une URI JavaScript. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc on a de l'exécution sur les autres domaines, on a un contournement des privilèges. Alors, ce qu'on va essayer maintenant, c'est on vous reparler des pages privilégiées. Alors, là, j'étais
tellement excité que ça marchait sur les pages privilégiées. Et donc, j'en sais encore essayer d'écrire ce petit morceau de code et je l'ai essayé sur About Flags. Et bizarrement, en fait, ça marchait pas pour moi et j'étais plutôt surpris. Je me suis dit, mais pourquoi ? Et ensuite, donc j'essaie de comprendre pourquoi ça marchait pas avec cette implémentation-là, pourquoi ça marchait pas, et pourquoi il y avait peut-être des alertes dans la console, donc j'ai ouvert la console pour voir, et bah, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas du tout ces alertes. Et la raison, c'est que ces pages sensibles du navigateur comme Chrome, Firefox et même Edge, en fait, ils utilisent du CSRP pour éviter qu'il y ait de l'exécution de JavaScript. Et en fait, vous ne pouvez pas avoir ces alertes sur ces pages. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette magie noire qui fait qu'il ne marche pas sur les pages privilégiées, puisqu'on n'a pas les erreurs CSP. Donc peut-être que cette fois, Edge est plus intelligent. Ou peut-être qu'en fait, il y a une autre façon de lire About Flags sur Edge. Et alors, ce que je me suis dit ensuite, c'est « Ah, mais on va utiliser le protocole RES ». Alors, le protocole RES, il permet de lire des ressources depuis certains modules. Et donc, par exemple, About Flags, c'est res://edge.html.dll/flags.html. Et c'est là qu'on se rend compte que ça marche. Alors, de cette façon-là, on a réussi à obtenir l'exécution de code JavaScript sur les pages privilégiées, ce qui est quand même assez mauvais. Donc maintenant qu'on a l'exécution sur une page privilégiée, on peut activer, désactiver le Flash Player. Donc on peut le faire exactement de la même manière. Donc ce que je vais faire, c'est je vais encore appeler browser.tabs.update, le faire pointer vers l'URL en rest.flag.htm, et ensuite j'utilise une URL JavaScript pour activer le lecteur flash. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Alors, bon, c'était plutôt déjà pas mal pour moi, mais comme à chaque fois, je me suis demandé, on peut peut-être faire encore autre chose. Et alors, je me suis dit, on va regarder le mode lecture de Edge. Donc, c'est une feature qui est implémentée dans Edge et qui permet de faire le rendu d'une page d'une manière qui est plus facile à lire. Donc, pendant le rendu, on va enlever tout le code JavaScript, etc. Et en fait, ça permet de fournir une page simplifiée à l'utilisateur. Et donc, pour ça, on enlève toutes les exécutions de code JavaScript hein, dans le mode de lecture. Et du coup, on ne peut pas mettre n'importe quel document en mode lecture. Il faut que Edge arrive à repérer la compatibilité. Mais si on a une URL qui pointe vers un domaine particulier, on peut lire, récupérer des ressources. J'essaie de faire la même chose, mais apparemment le mode lecture était protégé par une sorte de CSP, et donc il n'autorise pas les scripts inline, et donc c'était bloqué. J'ai pas réussi à aller plus loin. Donc, jusqu'ici, le mode lecture avait l'air pas mal. Alors, on peut essayer d'utiliser de l'exécution de code JavaScript sur d'autres pages. Et notamment les pages qui sont définies à l'intérieur d'autres extensions. Donc par exemple, est-ce qu'une extension peut désactiver quelque chose qui est dans une autre extension?
Donc si on va sur les pages internes d'autres extensions, on revoit encore cette même erreur CFP qui nous empêche d'exécuter du code JavaScript. Donc les privilèges de CSP, on va regarder si on peut utiliser l'API ExecuteScript directement pour voir si ça permettrait de contourner le CSP sur ces pages. Puisque... Alors, donc là, vous pouvez voir le code, donc avec la politique de sécurité de contenu, qui est réglée à self. Et on refait browsers.tab.executescript, et puis du code, qui est un simple alerte sur le domaine du document. Et la façon dont les extensions gèrent le CSP, alors, parce qu'en fait, les navigateurs autorisent le JavaScript dans toutes les extensions, sauf si elles essayent de travailler, de changer le DOM dans une page particulière. Donc là, par exemple, supposons qu'on est sur une page qui est tout à fait avec le CSP, et on essaye de changer le DOM pour cette page. Alors, par exemple, on peut utiliser document.write ou document.body.innerHTML égale un peu de code JavaScript. Et une autre façon de faire, c'est de générer un élément et écrire dedans. Et toutes ces techniques permettent de manipuler l'arbre du DOM d'une page protégée par le CSP. Bon, ça, c'était pas du tout autorisé ni par Firefox ni par Chrome, mais en fait, c'était pas protégé à l'intérieur d'Edge, et donc le script comme ça pouvait exécuter n'importe quel code JavaScript sur n'importe quel domaine, même si le CSP était en place sur cette page. Alors, en conclusion, les extensions Edge sont encore de développement. Toutes les API ne sont pas encore supportées. Parce que donc, Edge est passé sur une base d'utilisateurs premium. Donc, est-ce qu'ils sont encore en train de développer des extensions? On ne sait pas trop. Mais. ActiveTab, ça reste l'une des permissions les plus intéressantes puisque ça permet d'exécuter du code JavaScript sur le domaine courant. Et bon, ça permet de lancer la même attaque sur cette API. Alors, Microsoft a enfin décidé de corriger le bug avec la mise à jour de mars 2019 avec la plus grosse récompense possible, donc c'est le CVE 2019-0678. Merci, Nikhil, pour cette présentation intéressante. Si vous avez des questions, on a trois micros. 1, 2, 3. Et si vous avez une question, venez au micro. Micro numéro 3. Bonjour, merci pour cette présentation intéressante. Donc, j'ai une question. Est-ce que cette API, enfin, est-ce que vous avez trouvé c'est aussi pertinent pour l'API qui vient sur Chromium prochainement? Donc la réponse est vu que la nouvelle version de Edge est basée sur Chromium. Donc ils utilisent d'autres conventions d'appel. Et du coup. Ok, et du coup j'ai une deuxième question. Donc vous avez essayé d'ouvrir les pages avec le protocole ROS. Mais est-ce qu'on peut pas faire à peu près la même chose avec le protocole About? Et la réponse est oui, ça va aussi fonctionner. Ok, applaudissez notre speaker.